Madame Deneuve n'aurait pas accepté cette chose. Je ne l'aurais pas fait. Donc je ne serais pas dit, tiens, je peux remplacer par une actrice qui entend. C'était pas la question, c'était elle. Ce qui était sûr, c'était que c'est un film dont elle serait de tous les plans, donc dont elle serait l'objet principal. Donc pour elle, c'était une exposition maximum. Je crois que c'est quelque chose dont elle a d'ailleurs eu un peu, peut-être un peu peur, à juste raison, parce que bizarrement, c'est pas une actrice très narcissique, c'est étrange, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas le goût de se voir, ou le goût d'être vu ou d'être regardé à l'infini. Je crois que Catherine Deneuve, elle a une appartenance au cinéma, elle appartient au cinéma. Et donc, l'approche, c'était de... Eh bien, c'était de profiter dans le sens de... Ben, c'était de me mettre ça dans l'œil, quoi. Ce rapport au cinéma réuni dans une seule personne. Voilà. C'est peut-être un peu incompréhensible de dire ça comme ça, mais c'était la regarder cinématographiquement, pas autrement. Parce que pour moi, maintenant, elle est comme ça. Ce film-ci est un film particulier parce que à l'intérieur même du scénario, il y a une histoire d'art et de peintre et le personnage de Catherine Deneuve écrit sur l'art. Donc il y a une espèce de d'approche très particulière par rapport à ce film, par rapport à l'art contemporain ou l'art en général. Donc on a décidé de se rapprocher un peu de ce genre, pas de ce genre de peinture, mais de l'approche de la peinture, c'est-à-dire de travailler au niveau des décors dans des choses qui sont presque raplatir certaines images, avec des fonds, avec des couleurs, avec plutôt après des taches, avec des choses comme ça. Donc il y a une espèce de construction autour de l'idée de la peinture. Dans ma vie, à moi, il y a quelqu'un que je connais très bien, qui est un peintre qui s'appelle Arnal, qui a été mon père adoptif, quelqu'un qui avait de bonté. Il invente toujours des histoires sur ses toiles. Donc c'est un bavard, un type qui raconte toujours trop de choses sur ses toiles. Et il y avait l'idée que quand on regarde une de ses toiles, on peut se raconter une histoire, qui peut changer à chaque fois. Or, au fond, on peut aussi, quand on regarde un film, se raconter sa propre histoire après. Le scénario est arrivé un peu en couche comme ça. La première idée, c'était une femme, par un hasard, rencontre quelqu'un, se retrouve dans une salle où on projette elle et lui, et on comprend que cette femme-là a un lien très fort avec ce film qui elle dit à l'américaine. Et à partir de là, elle va fantasmer ou vivre un amour qui existe. Tu donnes la même impression, je sais pas comment dire. Mal, on ne dit rien. Je veux dire, tu peux pas marcher vite. Non. Ça, pour moi, c'est quelque chose de, j'allais dire, de typique de Catherine. C'est cette façon d'être en extrême fragilité d'elle-même. J'aimerais beaucoup, mais non, et d'exprimer au-delà de ce que tu as. Comment enfin, il y a quelque chose sur ce... Quelque chose d'une jeune fille qui vient d'avoir un rendez-vous, qui se retrouve en face d'une autre jeune fille qui est sa fille. Et à la fois, ça joue pas les petites filles, et à la fois, il y a une espèce de... Elles sont pas du tout sur le même... Comment dirais-je? Elles n'ont pas le même souci au même moment, et pourtant, elles sont dans une égalité de fraîcheur de sentiment. C'est un plaisir, voilà, d'avoir une idée, puisque c'était l'idée de toujours ces mêmes aplats de couleurs, mais cassés par un plastique, et puis tout d'un coup, quelque chose de pas prévu, qui était les cheveux, le vent, et du coup que le plastique bouge, c'était pas prévu, donc c'est... Un corps qui danse, c'est un corps qui bouge, donc qui bouge dans la lumière, donc qui va... Bon, sur lequel la lumière va varier, donc c'est plus une image, c'est pas un aplat, c'est vraiment un volume. Dans l'espace, c'est
c'est vraiment corporel, donc ça invite tout simplement, je trouve, quand on tient la caméra, à être en phase. Peut-être que ça a un côté aussi hystérique, c'est le vivre soi-même, au fond. On jette son corps dans la bataille, comme les acteurs jettent leur corps dans le plan, dans le personnage, dans ce qu'on leur demande, avec les contraintes que ça suppose, et je n'arrive pas à être absolument simple spectateur. Parce que je l'ai au fond vécu en écrivant. Et il a une générosité, ce type. Comme ça, je suis capable de jouer un mec bourré, mais je dis, oh, il ne sera pas bourré, il faut qu'il y ait un espèce de rapport comme ça, encore, pas enfantin, mais comment on retrouve quand on est adulte. Et là, peut-être que l'âge joue, parce que c'est une représentation assez jolie, c'est du fait que l'enfance arrive à n'importe quel âge de la vie, et d'un coup, en deux minutes, les rapports se reconstituent, et il y a une espèce de fratrie immédiate avec des petites visibilités qui se mettent en place et qui racontent quelque chose. Le regret, c'est moi des fois. Les acteurs savent bien quand ils sont filmés par la caméra. Et il y a des acteurs qui semblent savoir où elle est, d'autres qui ne semblent pas le savoir. Mais comme moi, je suis la seule à regarder dans la caméra, j'ai l'impression que c'était comme si on me parlait. Et donc, c'est comme un moment d'intimité, quoi, entre deux personnes. J'ai vu une ou deux fois des reportages des gens qui étaient venus sur le tournage, et quand je me regarder les acteurs, je me trouve effrayant, parce que je suis obligée de me contenir, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas rien faire. Donc, j'ai une espèce de truc qui saute partout dans le visage, bon, je m'en rends folle. C'est pas du tout un geste de beauté quand elle se regarde en février, c'est pas du tout ça, c'est une espèce de confrontation au film, de se regarder aimant le film, comme moi je la regarde aimant le film, et il y a quelque chose comme, alors ça peut être aussi, ça pourra sûrement être interprété comme regarder le temps qui a passé ou quelque chose comme ça, mais c'était pas du tout mon... Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle le fait pas comme ça. Et de même que quand elle ferme les yeux en même temps que Cary Grant, c'est-à-dire qu'elle est à chaque fois... Quand tu es très proche d'un film, tu as l'impression que tu es à l'intérieur des personnages, mais de façon tellement profonde que quand tu sors du cinéma, tu es toi-même la scène, tu es toi-même... Et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, ça t'entraîne tellement loin dans le fait de changer ta vie et ton rapport au monde. Enfin, sur certains films, c'est frappant. Moi, je pense que le cinéma existe, c'est-à-dire parce qu'on comprend cette capacité aux images de restituer cette sensation. Et cette sensation, elle est en tout cas moins... partiellement créé par la manière dont on les fait les plans, dont on regarde avec la caméra. Il y avait une partie française qui peut être quelque chose d'un peu introspectif ou d'un peu un espèce de suspense fantasmatique, et une partie américaine qui devait être la confrontation aux toiles, à la chair, à un homme, à quelque chose de tout à fait différent, qui devait être insolent, léger. Arrive le 11 septembre, couvert de plomb, tu te dis, mais comment je vais faire une comédie? Qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, je ne suis plus dans un... On est à la moitié du tournage, donc c'est le rouleau compresseur, ça n'a pas le temps d'arrêter, de réfléchir, de l'écrire, tu ne peux plus, tu es dans un... C'est dans une espèce de mécanique de guerre où il faut tous les jours, 6 jours par semaine, avec des Canadiens qui eux-mêmes ne sont pas ni des Français ni des Américains, ressentent les choses différemment. Il y a une espèce de même pote de gens qui sont complètement sonnés et qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce film qu'on fait. Ben, dès que les tours se sont écroulées, on a bien imaginé que New York allait être
non opérationnel, qu'on ne pourrait sûrement pas y tourner. Donc très vite, si j'ai posé une question un peu comme ça, c'est ce qu'on va faire avec l'Empire State Building. Donc on s'est retourné vers moi et on m'a regardé. Donc j'ai dit oui, si on veut construire, il faut aller très très vite. Alors c'était un coût considérable pour la construction, donc il y avait un délai de décision nécessaire. J'ai dit qu'il fallait donc prendre des gens avec moi pour pouvoir commencer le projet, pour pouvoir dessiner et être prêt au moment de la décision financière ultime, d'un accord de la production, de pouvoir démarrer immédiatement la construction, puisqu'on a eu exactement 3 semaines pour dessiner et construire le décor. J'aime beaucoup cette image où on construit une image qui ne fait que 24 mm sur 30 mm et toute l'énergie de tous les gens qui travaillent pour le film est concentrée dans cette image. Et donc un décor c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'énergie elle est concentrée dans ce qui reste. La plus grande douleur pour moi était de... je cherche toujours. Ça me fait peur. Excuse me. Is that the right time? It is New York, hein? Je cherche toujours à l'intérieur de la ville. Un espèce de parcours qui irait d'une difficulté, d'une douleur, d'une complexité, quelque chose, à quelque chose qui s'ouvre, qui s'éclaire et qui devient plus léger. Ce qui n'empêche pas une émotion, mais qui miraculeusement s'allège, ce que je considère être comme un talent, quelque chose peut-être après quoi je cours. Perfectionnement.